depuis 4 ans qu'on vient, toujours une organisation au top. On passe toujours un très bon moment ici, voilà. Il faut continuer comme ça. C'est vraiment fabuleux. Les bénévoles sont super gentils, très serviables, souriants. Vraiment bravo et félicitations à tous. C'est grâce à eux qu'on fait des courses comme ça. Nous, on ne fait que de courir. Donc c'est pas. C'est souvent moi qui ai le micro ou qui suis devant la caméra. Et ce travail-là, il peut se faire qu'en équipe. Donc on est aussi accompagné par 23 chefs de poste bénévoles qui, en fait... On fédère leur équipe autour d'eux et qui permettent d'être présents et de dégager autant d'énergie. Donc merci à eux d'être là et de me soutenir en menant à ce projet de THP qui me tient plus qu'à cœur depuis maintenant, depuis 6 ans. Eh ben oui, mais chaque année, hein, chaque année. Moi, je suis responsable sécurité. Et lui, responsable serre-fil. Et alors, il est bon? On saura ça demain. C'est ça, on verra ça demain. Faire le tri, hein. Vous faites le tri? Ah bah, il faut le bac jaune, c'est quand même normal qu'on fait le tri. C'est bon pour la planète? Ah bah oui, il le faut. En plus on est belge, on a l'habitude, depuis 30 ans déjà. On organise la course pour les enfants. Je vais te donner la peinture pour baliser par terre, tu sais, les parcours des petits. Olé! Bon, je suis moi bénévole depuis 5 ans au Trail de Haute-Provence. Je suis passionné, moi je suis un ancien coureur de Fort-Calquier. Bravo. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et alors qu'est-ce que vous faites exactement là? Tout ravitaillement, tout ce qui s'occupe, monter tout, je fais tout. Voilà. Surtout cette année, c'est super ce qu'on a fait là, voilà. On a monté un village, Trail, voilà. Et le plus dur pour moi, c'est le dimanche matin de 10 à 11 heures, voilà. Là, il y a un coup de bourre. Mais moi, je suis coupeur de pastèques, voilà. Coupeur de pastèques. Ravitaillement, voilà. Ah, c'est le repas du midi, là, que oui. Tu réponds? Oui, pour voilà. Les bénévoles. Mais tout le monde opérationnel, à 100%, 200%. Ce poulet, alors, les filles? Le poulet, il est préparé avec amour. Et il faut qu'ils tiennent jusqu'à dimanche. On va être là avec notre plus beau sourire pour les accueillir dans notre beau pays de Fort-Calquier. Approchez pas ici. Nos charmantes hôtesses vous accueillent. Mademoiselle. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a de la bonne humeur. Ah ben oui, toujours sur le THP, toujours. C'est très agréable. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé. Ah bah Patrice et Dominique, les fidèles supporters. À chaque fois qu'on peut, oui. Et donc, moi j'étais déjà bipeuse, on a déjà été au ravitaillement. Au ravitaillement, oui. Et là, et puis on la est signaleur. Voilà. Ah, c'est une très belle aventure, il y a de l'animation. Ça c'est très chouette, il y a beaucoup de monde. Passe-moi une papier si tu veux. Moi je m'appelle Claudie. Oui. Moi et je Robert. M'appelle Robert. Voilà, et nous sommes ici depuis 25 ans. Et sur le THP, depuis quelques années aussi. Ah ben oui, toutes les années. Des fidèles. Des fidèles. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette course? Ah ben c'était une grande journée hein, quand même, avec beaucoup de temps fort. On a été d'abord les premières années, on était sur le contraste. Alors là c'était un lieu magnifique parce qu'on voit le lever du soleil et puis même les coureurs étaient complètement épuisés quand ils arrivaient en haut et ils avaient le temps de s'asseoir. Mais ça devient de plus en plus compétitif. Coucou. Au top, c'est magnifique, je me régale. Merci beaucoup, vraiment. Merci. C'est bon. Tout va bien? Ça va. Allez, papa!
merci, bonne journée. Voilà. Maintenant c'est bon, on est chaud, on va attaquer. Ouais, bon, et on fonce jusqu'à l'arrivée. On va attaquer trop, à 3 km/h. C'est trop beau, c'est super beau. Ouais, super. Ouais, merci, ouais, à tous. Régal. Merci super beaucoup, bonne journée. Bon appétit. Nickel. J'ai rien. Tu te régales ? Ouais, super. Ah, super. Dans les Mours, à l'intersection entre les 8 et le 16, ça va être le rush parce qu'ils arrivent tous en même temps. Et donc on se prépare à leur arrivée.